Sacré grille de départ. Ouais. Tout le monde a mis les essuie-glaces. Juste derrière. Attention, 5 secondes. La Gorce avec l'électrique. Berton avec la thermique. C'est parti. Terrible départ également la Gorce. Et Berton qui coupe la trajectoire de Panis. C'était prévu. C'était prévu. On l'avait annoncé avant le départ. Hein. Tout cela était prévu. Ouais. La Gorce n'a pas été surpris. Attention dans le virage. Ça se passe bien. Ouais. Ouais. Ouais, petite bousculade là. Avec Bénézé. Attention, il a très très peu d'avance pour l'instant la Gorce. Ah oui, on est là. Bénézé qui perd des éléments de carrosserie. On a perdu quelque chose. Hein. Ouais, et solde. Je crois que c'est sur la capture également. La Gorce toujours en tête. Berton 2, 3, Panis. Attention, Panis ne va pas tarder à attaquer Berton. Ça me semble évident. Oui, c'est Jean-Baptiste Dubourg qui a tapé. Attention, Jean-Baptiste Dubourg a été dépassé par son frangin. Aïe, aïe, aïe. Hey, il a perdu les places. C'est attaqué par Nathanaël Berton. Lui-même attaqué par Aurélien Panis, mais coup dur pour Jean-Baptiste Dubourg qui a perdu des places. Oups. Alors la Gorce qui va vouloir poser l'écart, mais c'est facile à dire qu'à faire. Alors que Bénézé perd plein de carrosserie, il a dû avoir un contact Bénézé-Dubourg. Absolument. Ça, c'est ce qui est plus plausible. Et Andrea Dubourg qui va passer, dit Bénézé, qui va venger le frangin. Et c'est fait, voilà, Bénézé laisse passer. Il y a toujours un Dubourg pour venger l'autre, qui sont deux. Ouais. Si c'était trois, ça serait un vrai cauchemar. Toujours la Gorce en tête, Berton n'est pas loin, Panis est un tout petit peu décramponné. Berton entre en sandwich entre les électriques, là. Ouais, c'est vrai. Attention, deux électriques thermiques. Andrea Dubourg et Jean-Baptiste qui n'a plus d'avant. Oh, la finale est explosive, hein. Alors que le record du tour est pour la Gorce, hein. La Gorce. Ouais, il est pour la Gorce, mais c'est pas gagné encore pour Francky. Oh non, c'est pas gagné. Parce que Berton a lâché, il a pas dit c'est là. C'est pas gagné pour Francky. Et les Dubourg n'ont pas dit leur dernier mot non plus, puisque Andrea est là et sauve la. Et attaque de Jean-Baptiste Dubourg qui attaque de nouveau Eddy Bénézé, boum, dans la ligne droite. Oh, ça va au contact. Hein. Là, c'est chaud, il n'y a plus d'avant pour Jean-Baptiste. Oh là là, terrible, l'attaque chaud musclé de Jean-Baptiste. Hein. C'est une finale digne de la réputation de Serge Chevalier. Oh ouais, attention devant. Franck Lagorce. Franck Lagorce. Toujours pas décramponné, Nathanaël Berton. La Rivière qui revient aussi du coup, profitant de cette bagarre avec Dubourg et Bénézé. La moindre faute de la Gorce, et Berton passerait. Ah, il ne s'échappe pas, Franck, hein. il ne s'échappe pas. Il n'a pas pu creuser l'écart totalement. Non, non. Nathanaël Berton pilote à son meilleur pour l'instant. Voilà, Dubourg est en train de perdre le capot. Je ne sais pas s'il va terminer la course, il n'y vaut presque plus rien. Oups. Alors que Berton est toujours très près de la Gorce. Il n'a pas trois longueurs, pas plus. 4 Andrea Dubourg. Oui, 5, ça tient pour l'instant pour Jean-Baptiste par miracle, qui a passé Rivière, et alors que Bénézé est au ralenti. Hein. Je ne sais pas comment il fait Jean-Baptiste pour piloter là, mais c'est grandiose. Il ne voit pas grand-chose. On est dans l'avant-dernier tour, je pense. Toujours la Gorce en tête. Mais tiendra-t-il? Ça n'est pas certain. Et Andrea devant Jean-Baptiste. Est-ce qu'Andrea va s'effacer pour laisser passer Jean-Baptiste? Attention, Berton revient. Berton revient. La Gorce. Attention, attention, hein, c'est pas terminé encore. C'est pas terminé. Dernier tour. Non, pas encore. Pas encore. Il en reste deux. Il doit trouver le temps long, l'ami Lagorce. Allez, Berton encore à l'attaque. Ouais. Bon, attention là-bas, avec Andrea Dubourg, Jean-Baptiste qui passe. Voilà, Andrea qui s'efface, c'était prévu. Andrea laisse passer le frangin. Ouais, c'est bien. Voilà, course d'équipe. Extraordinaire course d'équipe chez les Dubourg. Ouais, il laisse passer Rivière aussi, mais bon, ça, il pouvait pas faire autrement. Et devant, c'est toujours une verte, devant une verte, puis une jaune. Ouh, à Panis. Aurélien Panis qui a failli attaquer Berton. Ouais. Oh, Aurélien Panis qui essaye. Aurélien Panis qui sert les intérêts, sans le vouloir forcément, de Franck Lagorce. Il est son allié objectif en allant embêter Berton. Et voilà le dernier tour. Allez, c'est maintenant. Alors là, il faut que Franck fasse preuve d'un sang-froid admirable. Dernier tour. Parce qu'il n'a pas décroché ses deux poursuivants. Et pour Jean-Baptiste. Et pour Jean-Baptiste Dubourg, la question c'est est-ce que la voiture va tenir jusqu'au bout? Pour Dubourg, oui. Ouais, c'est pas gagné. Alors, est-ce que la Gorce va tenir jusqu'au bout? Est-ce que la voiture va tenir jusqu'au bout? Quelle
finale. Ouais, ça tient pour la Gorse. Pour l'instant, pour l'instant. Ouais, non, non, Berton, je pense pas m'attendre quelque chose, à moins qu'ici, si vous êtes trouvé la balise. Là, grosse attaque de Berton, la Gorse. Ah, il résiste bien. En tête, attention, c'est là qu'il faut pas faire de faute. Faut que la Gorse toujours en tête. Ouais, c'est bon, Berton, c'est bon. Berton est dans ses roues, Berton dans ses roues. Les derniers 200 mètres. Ouais, ça va être gagné pour Franck Lagorce. Ouais, mais ça sera juste. Oh, une troisième victoire électrique et la deuxième pour Franck qui s'est fait. Victoire de Lagorce, deuxième Berton, troisième Aurélien. Attention, Pernice. Attention, Jean-Baptiste Dubois, est-ce que ça va tenir jusqu'au bout avec une voiture complètement en vrac? Oui. Alors, ben, il sauve la finale. Hein. Eh ben, dis donc. C'était mal parti pour GB. C'est arrivé à prendre un maximum de points compte tenu des circonstances. Voilà, belle course d'équipe pour le Dubourg Racing. Ah, Jean-Baptiste, faire ça le jour de l'anniversaire de Marcel Tarès, ouais. C'est pas très sympa quand même. Hein. Marcel, on te souhaite encore 20 ans. Quelle finale, bravo à Franck Lagorce, une ovation. Ouais. Deuxième victoire cette saison pour Francky, troisième victoire d'une électrique. Celle-là, il l'a pas volée en plus. Hein. Voilà, devant un très bon Nathalie Berton. Oui. Qui a tenté, mais voilà, qui a été aussi raisonnable et intelligent en disant voyons le podium. Regardez, Francky sur le toit de l'électrique. Il n'est pas sur le toit du monde, il est sur le toit de l'électrique. Ouais, on est assez haut quand même. On est sur 1400 mètres. 1400, bon, c'est moins haut que certains bleds, on va dire.